Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui je viens vous partager une ouverture de courrier qui me vient donc de Steph Sardi. Sabine, merci infiniment à toi, merci pour ta générosité, ta gentillesse et ta bienveillance. C'est vraiment touchant et je viens découvrir bien évidemment ton envoi et je sais bien sûr ce qui s'y trouve à l'intérieur puisque j'avais il n'y a pas très longtemps, demander à des copinettes s'ils avaient des thermocollants, vous savez, pour venir repasser sur du tissu et tout, pour venir avec des dyes alphabet, écrire voilà, les prénoms d'enfants ou, voilà, ou de la maman aussi, pour les fêtes des mères, si voilà, vous achetez quelque chose et vous voulez venir voilà, écrire son prénom, pourquoi pas, ou écrire juste « Bonne fête maman », c'est sympa aussi. Et puis j'ai reçu donc le courrier de Sabine et encore merci infiniment. Donc on va venir découvrir et juste après, comme je sais qu'à l'intérieur il y a ces thermocollants, donc je vais venir vous faire une petite création suite à ça. Et comme ça sera ma vidéo du jour aujourd'hui. En même temps, j'en profite. C'est tout simple, je vous avais fait un short il n'y a pas longtemps en vous montrant ce que j'avais réalisé sur les trousses de chez Action en velours. Et j'avais écrit donc le prénom de ma petite fille. Et en soi, j'en avais plus pour la trousse de mon petit-fils également. Voilà, si ils partent en vacances, chacun aura leur trousse. Après, comme je dis, ma petite fille, elle en fera ce qu'elle voudra après. Parce que là-bas, je lui avais acheté pour qu'elle glisse à l'intérieur sa punchboard letter, vous savez, de chez Action. Et en soi, après, si elle veut mettre ses petits soins, enfin voilà, elle fera ce qu'elle voudra. Et je ne lui ai toujours pas remis parce que je voulais vraiment faire pour les deux en soi. Et puis pour le nouveau, c'est une fille que je vais avoir encore, oui. Donc j'ai préparé aussi pour ma petite fille qui va arriver au mois de juin. Et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Là, elle n'en peut plus, ma belle fille, là, ça y est, elle est trop fatiguée. Bref, et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tout simplement qu'on va venir ouvrir le courrier de Sabine. Ah, merci à toi encore, hein, vraiment. Alors, donc, voici son courrier. Alors, je vais venir l'ouvrir. Donc, derrière, il y a son adresse. Donc, je vais me décaler pour pas qu'on voit donc, son adresse. Je vais venir juste couper le bord comme ceci. Voilà, essayez de prendre. Voilà. J'ai pas pris de bon ciseau, mais c'est pas grave. Alors. Oh là là. On découvre. Elle m'a mis des bonbons. Alors, j'ai envie de vous dire en ce moment, c'est pas le moment parce que j'ai eu un. J'ai eu mal, voilà, tout simplement. Cette semaine, c'était une catastrophe. Oh là 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 là, merci. Je vais me régaler aussi, mais et je vais partager avec mon doudou, hein, bien sûr. Merci beaucoup pour les bonbons. Alors, ah ouais, j'ai eu une rage de gencive, c'est même pas la dent, c'était la gencive. Donc, c'est horrible, comment ça fait mal. J'avais la joue toute gonflée, je ressemblais à Elephant Man, voire Coluche, vous savez, dans le film. Là. Oh, ok, elle est jolie. Oh, jolie, instant à savourer. Magnifique, regardez-moi sa carte. On va découvrir. Je vais mettre ça de côté. Et je vais venir vous montrer sa carte. Elle est juste magnifique. Waouh. Oh, oui, d'accord. Alors, attendez, il faut que je l'ouvre. Je vais venir te dire aussi. Mais avant, je vais venir montrer. Waouh, tu l'as superposée. Tu l'as. Oh, avec ce joli papillon au centre. Ah, puis tu t'es servi aussi du vélum, des petits strass que tu es venu coller au milieu. Là. Oh là là. Puis le papier est juste magnifique. Ton dies là avec les petits points de croix. Oh, c'est très très beau. Mmh. Oh, il est magnifique ce dies là. Il est très très joli. Tu me diras où tu l'as eu. Alors, est-ce que c'est Action? Je sais pas. Samedi, je sais pas. Je sais plus.
Regardez ça, si c'est pas joli, franchement. Avec ce beau papillon, elle en a mis tout plein. J'adore, c'est trop beau. Oh, magnifique. Ah ouais, c'est... Et là, elle a mis des petites fleurs. Ah ouais, c'est vraiment très très joli. Elle est venue mater, elle est venue mettre du vélum, elle a fait une découpe. Ouais. Ah ouais, c'est super joli. C'est très très beau. Et vous voyez, il y a du vert. Et ben, ça rend super bien. J'adore. Ah, finalement, j'apprécie de plus en plus le vert. Ouais, effectivement, là, je me vois en train de regarder. Là, je suis émerveillée. C'est juste extraordinaire ce que tu as réalisé. Bravo à toi, vraiment, Sabine. Trop beau. Trop, trop beau. Alors, je vais vous laisser un instant. Je vais juste lire son petit message. Coucou ma Jimmy, coucou à toi ma belle. Oh, c'est un amour, merci encore. Elle me dit, c'est avec un grand plaisir que je t'envoie ces feuilles pailletées pour les créations de tes petits. Oh, t'es un amour. Elle est contente, voilà, de pouvoir me faire plaisir à son tour. C'est ça le partage et l'amitié. Ouais, exactement. Exactement, tout à fait. Oui, c'est... Ah oui. Quand on a plein de choses à gérer entre la maison, le travail et la vie personnelle, enfin, privée, c'est vrai que c'est pas évident. Oh, je t'envoie plein de bisous. Et je sais combien tu souffres aussi. Je comprends. Je compatis vraiment. Vraiment, vraiment. Ben, c'est moi qui te remercie pour ton amitié. Merci beaucoup. Oh, t'es un amour. Vraiment, je suis touchée par ce que tu m'as écrit. Vraiment, merci beaucoup. En tous les cas, ta carte, elle est juste merveilleuse. Elle est splendide. Très jolie. J'aime beaucoup. Elle est douce, elle est aérée en même temps et voilà. Et t'es venue superposer, ouais, t'as mis de la mousse en dessous pour lui donner du relief. Vraiment, ouais. Un plaisir à regarder en tous les cas. Merci beaucoup. Merci infiniment, elle est très jolie. Alors, on va regarder la suite. Alors, donc, je vais prendre l'intérieur. Là, j'ai du mal à l'enlever. Oh! Ah ouais, c'est... Alors, j'enlève ça déjà. Oh! J'y arrive. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là, je vois qu'il y a... Oh, ton amour! Regardez-moi ça. Vous voyez, vous avez même les formes. Vous voyez, si vous voulez... Ah, c'est génial. C'est génial. Top. Alors, elle m'en a mis en doré, en rose. Là, comme elle s'en servait plus, elle m'a dit ce sera... Oh, c'est génial. Oh oui. Il y a des cerises. Trop mignon. Attendez. Oh. Ça, je vais pouvoir venir détourer pour Choquette. Hein. Pour un de ses t-shirts. Et argenté. Donc là, pour le coup, je vais me servir de l'argenté. Oh là là, merci beaucoup, vraiment. Et comme elle s'en servait pas plus que ça, elle m'a dit, ben, je te les envoie. Et ben, merci encore, vraiment. Alors, excusez-moi pour le bruit. Je vais devoir déchirer le... J'avais marqué fragile, merci, faites nommer, s'il vous plaît. Ah oui, mais si je prends le... Oh, je suis tellement désolée, pardon. Oh, t'es un amour. Oh, puis il y en a aussi comme ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle Iron One. Ouais, trop bien. Oh, non. Oh, je suis contente, vraiment. Oh, vraiment, t'es un amour. Et puis là, mamie. Ouais. Oh là là. Oh, je suis contente. Oh, merci, merci. Merci infiniment. On va déjà pour. Aiden, j'hésite. Non, argenté, je vais lui faire argenté. Ou alors, plus dans cette couleur. Ouais, je vais pas lui faire pailleté quand même.
En même temps. Moi, j'ai pas dû faire pailleter. Alors, je vais vous montrer vite fait. Oh là là, t'es un amour. Vraiment, merci infiniment. Voyez la trousse. Voilà comment elle se présente. Parce que j'aurais pu mettre vert sur vert. Mais non. Faut que ça tranche quand même. On va pas faire ton sur ton. Argenté, ça fait joli aussi. Pailleté. Ou alors, ouais. J'hésite entre ces deux-là, en fait. Ceux-là, je les avais pas vus, par contre. Enfin, peut-être qu'ils y étaient. Mais moi, quand je les avais trouvés à l'époque, je prenais toujours des... Voilà, parce que ouais, c'est paillette. Hein. Oh là là. Très joli. Ça va très bien avec la trousse, t'as vu. J'hésite. Alors, soit je prends... Ça fait un peu holographique, il me semble. Non, réfléchissant. D'accord. Ok, ça veut dire qu'on voit ça dans la nuit. Ok. Ok. Ouais, puis je peux venir mettre une fusée. Je vais mettre son prénom devant et puis je vais mettre une petite fusée derrière. Pour que ça fasse garçon, quoi. Ouais, on va faire ça. Mais c'est beau aussi en argent. Pailleté comme ça. Non, je vais rester au plus simple pour le garçon. J'espère que j'en aurai assez pour mon fils, parce qu'après, ça sera tout pailleté pour le coup. Fred. Aiden. Bon, bah voilà. J'ai sorti donc mes dice, voici. Et là, j'ai sorti juste le prénom de mon petit-fils. On va faire ça ensemble. Donc, je vais venir ouais, me servir de ça. Oh, je suis trop contente. Merci encore, Sabine. Merci beaucoup, beaucoup. Mais franchement, là, en ce moment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Action. Je n'ai pas trouvé. Chaque fois que j'y vais, je ne trompe pas. Allez, magnifique. Merci encore. D'ailleurs, je vais la mettre tout de suite dans mon classeur où je mets... Alors, est-ce qu'elle va rentrer? Ah bah non. Ah ben non, c'est pas du 10-15, c'est vrai pour le coup. Ouais, non. Ah, c'est pas grave, je la mettrai dans l'autre classe. Allez hop, je mets là pour l'instant. Et puis ça, je vais la ranger dans la pochette. Bon, ouais, je fais tout avec vous en soir. Hein. Alors, à l'heure où je filme, nous sommes dimanche. Et on a l'impression qu'il est, allez, 21h. Il a fait beau toute la journée et... Et là, il pleut à torrent. D'ailleurs, vous allez certainement entendre le tonnerre. Bon, allez, j'y vais. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre sur pause. Je vais venir faire mes découpes avec donc les dies. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Et je viendrai avec mon fer à repasser, etc. Vous montrer. Ok, allez, c'est parti. Bah, encore une fois, je sais pas, ça a coupé, j'étais en train de vous expliquer, etc. Bon, c'est pas grave. En soi, j'ai fait mes découpes avec donc les dies. Ensuite, je suis venue positionner donc les lettres de l'alphabet. Je suis venue enlever le Y, le D et le E pour garder juste le N pour me faire mon petit repère. D'accord, voilà comment ça va se présenter. Donc le E, le Y, je vais le décaler un tout petit peu. Voilà, comme ceci, ensuite comme ceci et ensuite comme cela. D'accord, comme ceci, comme cela, que ceci. Donc, voici. Ok, et bah, c'est tout simple. Là, pour le coup, je vais enlever le D et le E. Et je vais venir avec mon fer, comme ceci. Le coller. Alors, faites très attention en soi, hein, parce que n'enlevez pas tout de suite la pellicule, parce que c'est très, très chaud et vous risquez de vous brûler. Donc, il faut vraiment que voilà, ça adhère bien. On colle bien. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc là, j'ai pas mis de serviette vu que voilà, c'est du velours. Voilà, c'est pas, on a pas. Oula, si je bouge. Ben oui, mais non, ça ne le fait pas. Donc ensuite, je viendrai éteindre la lumière pour voir si vraiment on voit. Vous savez. Aiden, donc c'est ça. Oui. Si je me rappelle plus comment il s'appelle, mon petit chou. Alors là, ça devient grave. Alors, voici. Je vais peut-être... Alors là, je sais pas, parce que là... Non, je vais laisser comme ça. Donc, je vais faire le dé. Allez, c'est parti. Hop. Je me place. Voilà.
Voilà, ça refroidit. Mais normalement, il y a une pellicule que je trouve. Alors, pour les paillettes, je sais qu'il y a une pellicule, mais celui-ci, je ne connais pas. Bon, ça doit être la même chose, hein. Voilà. Comme ceci. C'est droit, ouais, je sais pas. je m'en rends pas compte. En fait, j'aime bien repasser debout. Là, pour le coup, je suis assise. Et c'est vrai que... C'est... Ouais, ça m'a l'air bien. Bon, peut-être qu'il est un peu... Ouais. Ouh là, c'est chaud. Ouh, chaud. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux en même temps. Allez. C'est pas grave, même si c'est pas très droit. Mais je suis contente, vraiment, de ça, quoi. C'est joli. Et puis, même pour venir à, voilà, coller ça sur un t-shirt et tout, c'est trop top. Même sur un petit plaid d'enfant, je trouve ça mignon. Ou sur un nounours aussi, sur un doudou, avec des plus petites lettres, hein, pour le coup. Donc, il en existe, hein. Mais c'est plus minutieux, les petites lettres. Voilà. Donc normalement, ça a l'air bon. Parfait. Alors, donc, là, c'est bon, hein, c'est plus chaud. Donc là, je vais venir enlever l'opercule, là, pour après voir dans le noir cet effet réfléchissant. Hop. Voilà. Oh, c'est beau, c'est pailleté quand même. Regardez, c'est pailleté. Attendez, j'ai tout enlevé. Ça colle plus, donc on ne peut plus s'en servir. Il est là. Ouais. Attendez, parce que ça. Hop. C'est délicat à enlever, donc j'y vais. Ah ouais, c'est pas évident de l'enlever, honnêtement. Hein. Donc, ah si, c'est bon. Waouh. En soi, faut juste être patient, quoi. Alors, hop, voilà. Oh, c'est trop beau, ça rend super bien. Hop. Ah ouais, trop bien. Bon, je vais arrêter de dire trop bien. Nickel. Ah ouais. Oh, je vais éteindre la lumière. On va voir ce que ça donne. Oh, je vous dis, il est 5h30. Il fait hyper nuit déjà. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Vous voyez quelque chose, vous? Ouais, à peine, hein. Ouais, à peine. Si je rapproche. Ouais, bizarre. Bon, bah écoutez. Ah si, ça y est, quand je me lève, je le vois. Mais après, en caméra, je sais pas si vous le voyez. Attendez, si j'allume celle-là. Ouais, bah c'est normal que vous voyez là, si j'allume là. Ah là là, Diane, des fois. Bref. Oh, vaut mieux en rire, hein. On est d'accord. Bon, bah écoutez, voilà un petit peu le principe, comment réaliser, voilà, des petites choses sympas qu'on achète, voilà, des petites trousses ou des petits vêtements pour y coller, ce genre de voilà, de thermocollant. Donc là, bah, pour le coup, j'ai envie de faire l'arrière. On est d'accord. Donc, je vais venir comme ceci. Alors, est-ce qu'il faut que... Oh, je vais me placer au centre. Même si c'est pas tout à fait au centre, c'est pas grave. C'est quoi ça? Je regarde avec vous. Bon, voilà. Là, je vais mettre aussi, donc, le petit... Voilà, et le centre
du dé, il est là, voilà, comme ceci. Ça peut être sympa, c'est rigolo, non? Moi j'aime bien. Ouais, allez, puis je sais pas. J'aurais pu faire les angles ou m'amuser à faire des petits zigzags. Oui, là. Je peux faire ça en soi. Ouais. Je reviens. Je vais pas revenir en entendant. J'ai une paire ici. Comment ça peut. Ah non, pas celui-là. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ça m'embête. Parce que l'autre, il est. Je vais l'emmener. Non, je peux pas. Non. Je n'ai pas. Eh bien, écoutez, on va faire comme ça, hein, à moins de faire les angles arrondis. Allez, on va tester, on verra bien. Je vais prendre ma perfo. Et bon, il faudra bien que je replace ces deux petits bouts là. On va faire. Bon, j'espère que ça va bien couper. Parce que... Parfait, voilà. On arrondit. C'est top. Alors je vous montre même pas ce que je fais en fait. Alors j'ai pris le numéro 3. Il est où là? Voilà, il faut que je me place. Parfait. Hop. Et si je le mettais comme ça? Non, non, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Voilà, je me mets à l'envers pour voir parce que des fois, je suis pas bien placée. Et là, le troisième, est-ce qu'il va fonctionner aussi? Yes, parfait. Bon, bah écoutez, hein, on arrondit, c'est plus sympa. Allez. Voilà. Attendez. Je le mets en décalé? Non, je le laisse comme ça. Il est déjà assez décalé comme ça. Attendez, j'avance un petit peu au centre. Ben moi, j'ai envie de vous dire que ça m'a l'air parfait, là. Pour le coup, là, j'ai pas beaucoup de... Ouais. Je vais déjà commencer par là. Et puis, quitte à prendre celui-là. Ouais, allez, hop, on va faire comme ça. Ça ira plus vite. Voilà. J'ai encore ouais, pour que ça colle vraiment bien. Vous voyez, comme ça vous perdez pas de chute quoi. Vous voyez, c'est oh, c'est trop chou, j'adore, vraiment j'adore. Ah ouais, ça rend super bien. Et puis j'avais dit que j'allais mettre un petit bon, pour l'instant voilà, je vous montre un petit peu le principe et puis voilà, je ferai ouais, je viendrai couper un comment on appelle ça, ah, qu'est-ce que j'ai fait, oh mon dieu, oh là là, j'ai pris le Y, le plastique là. Oh, quand je dis des fois, heureusement qu'il y a le, il y a l'opercule à enlever, donc ça va. Vous voyez, là, j'ai mis un petit poil, je ne sais ce que c'est. Pourtant, j'ai pas de chat. Ah là là. Et oui, donc je disais, heureusement qu'il y a l'opercule pour pouvoir enlever le poil, quoi. Donc là, ça m'a l'air bien, c'est bien collé. Ouais. Donc, j'insiste encore un peu plus parce que là, comme c'est... une grosse partie quoi du papier là, la découpe, donc ouais, j'insiste bien. Et vous voyez, même si vous coupez et ben voilà vos lettres, vous récupérez le négatif et ça vous fait deux en un quoi, vous voyez. Voilà, comme ça au moins on perd pas de chute et c'est parfait. Alors attendez, si je me mets comme ça, ça va brûler. Donc, je vais les mettre de côté. Oh là là. Allez, je les mets là. Voilà. Et ben moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Alors, attendez, est-ce que c'est bien? Je vais attendre que ça soit bien sec pour pouvoir l'enlever.
Mais je vais encore appuyer, je sais pas pourquoi. Non, non, c'est bon. Allez, j'arrête. Donc là, je vais venir éteindre parce que j'ai pas envie de me brûler en soi. Donc, bah écoutez, moi, attendez, je vais éteindre là aussi pour que vous puissiez voir. C'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. J'adore, vraiment. Ah ouais, c'est... Vous voyez, ça ne se voit pas trop et en même temps, ouais, c'est, ça le fait. C'est marrant parce que ça enlève des petites paillettes. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes là sur le velours, ouais. Ouais. Ou à moins, je ne sais pas. Bref. C'est joli. C'est sympa. Bon, bah, on va enlever ça. Alors. Ça va. Ça m'a l'air. J'attends encore un petit peu. Bon, ça va. Parfait. Ah, bah, je suis contente. Il va avoir un beau. Une belle trousse. Un petit doudou d'amour. Et oui, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos petits-enfants, hein, franchement. Toujours aller gâter, aller choyer, aller... Mais en soi, on est grand-mère, c'est bien pour ça. Il faut en profiter au maximum. Et moi, je suis gaga de mes petits-enfants et je pense que je suis pas la seule. Hein. Vous êtes comme moi, vous. Pour celles qui sont déjà grand-mères. En plus, moi, j'étais jeune, une jeune grand-mère. Hein. Et ils ont eu Elina, ça m'a fait tout, tout drôle. Et puis, je suis fière de mes enfants. Et voilà. Je te vois là un petit peu, j'en ai envie, voilà, j'ai envie de parler. Je suis vraiment fière d'eux et ils m'ont fait de jolis et adorables, ouais, petits enfants. Et merci encore à toi, vraiment, Sabine, je suis comblée de bonheur là, tu vois, tu m'as fait du bien. Parce que, comme je vous ai dit, j'en trouvais pas et regardez, c'est trop top, voilà. J'adore, vraiment, ça rend super bien. C'est discret et en même temps, bah, ça fait garçon, quoi, en soi, j'ai envie de vous dire. C'est très, très joli. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez aimé cette création venir écrire les prénoms avec du tissu? Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça super sympa. Alors, dites-moi si vous avez aimé. Voilà, ce moment de partage avec ces papiers pailletés ou réfléchissantes en soi, comme celui-ci. Voilà, normalement dans le noir, on doit avoir... mais bon, il faudrait que je teste vraiment dans le noir. Mais vous savez, quand je me suis levée, je vous avais éteint la lumière, pour moi, je le voyais, mais en caméra, vous ne voyez pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Bref, voilà. Pour vous dire, donc voilà ce qu'on peut réaliser avec toutes ces petites choses de chez Action. Mais j'espère que vous allez pouvoir les trouver. Moi, comme je vous ai dit, rien dans mon Action, j'en ai fait plusieurs en plus. Donc voilà, enfin, quand je dis plusieurs, j'en ai fait que deux, hein, mais bon, et à chaque fois j'y allais, toujours rien. Peut-être qu'ils vont en remettre pour cet été pour qu'on puisse faire des t-shirts pour les enfants. Bah oui, pourquoi, hein. J'adore, vraiment, j'adore. Là, par contre, je sais pas pourquoi. Peut-être que... Non, mais vraiment, c'est superbe. Et vous voyez comment c'est immense à l'intérieur. Voilà, on pourra mettre toutes ces choses de toilette quand ils partent en voyage. C'est parfait. Donc, là, pour le coup, il faudrait que je me rachète encore un autre, si j'en trouve. Comme ça, parce que j'en ai pas trouvé, je voulais en reprendre et j'en ai pas trouvé non plus des trousses comme ça. Et ben c'est pas grave, je prendrai une autre trousse, ça sera pour ma dernière. Donc voilà, je vous dirai le prénom une fois qu'elle sera là. Voilà, walou. Bon, allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu, que ce moment de partage surtout vous aura plu. Et je vous dis à très vite, surtout prenez bien soin de vous et on se dit à dimanche. Voilà, comme d'hab. Ok. Bye. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt.